Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Des étudiants en deuxième année de l'école supérieure de commerce et d'administration des entreprises en plein cours de finance. Des étudiants qui ont à cœur de perpétuer la tradition d'excellence de cette école. En Côte d'Ivoire, j'ai remarqué que plusieurs dirigeants d'entreprise étaient issus de cette filière-là. Donc en fait, c'est ce qui m'a motivé à l'intégrer. Étant SK, il m'appartient d'être excellente pour pouvoir perpétuer le label. Donc franchement, c'est un poids qui repose sur moi. Dehors, trois étudiants de l'école supérieure des travaux publics s'adonnent à un exercice de photogrammétrie. Pendant que leurs aînés sur les grands chantiers d'Abidjan pilotent les travaux de construction du troisième pont, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, hier comme aujourd'hui, demeure le fer de lance de la formation dans l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire et même en Afrique. Ce pôle d'excellence a été cependant éprouvé par la décennie de crise en Côte d'Ivoire, une période au cours de laquelle l'entretien des bâtisses et le renouvellement des équipements ont fait défaut, selon une étude réalisée par le BNET. Cette étude dirigée par des anciens de l'INPHB. Ça fait très mal au cœur parce que nous étions, au moment où nous y étions, évidemment tout était flambant neuf. Donc aujourd'hui, après plus de 20 ans, nous retournons là-bas pour faire une étude où nous constatons que tout s'est dégradé. Pour impulser une nouvelle dynamique à l'INPHB, la direction générale de l'Institut a été confiée à Kofi Nguessan en novembre 2011. L'homme a déjà fait ses preuves à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée. Il choisit de traiter d'abord le mal de l'INP à la racine, en redonnant à l'école un cadre de vie sain qu'il a jadis caractérisé, mettant lui-même la main à la pâte. L'environnement fait partie de notre vie. Lorsqu'il y a les mouches, lorsqu'il y a les moustiques, lorsqu'il y a les serpents, comme il y en avait ici, les élèves n'étaient pas en sécurité. Mais progressivement, lorsque nous avons mis un point d'honneur à refaire l'environnement, les serpents sont allés de plus en plus loin et nous allons continuer. Au niveau académique, plusieurs réformes ont été engagées. Depuis la rentrée 2013-2014, l'INP a basculé dans le système LMD. Il était donc important que la partie doctorat puisse effectivement se mettre en place. Il s'agit de faire en sorte que les équipes de recherche qui existent à l'INPHB puissent accueillir des doctorants, les préparer, les former, afin qu'ils puissent soutenir leur thèse. Nos élèves qui suivent des cours dans le système LMD peuvent à tout moment aller prendre des compléments de formation dans d'autres écoles, dans d'autres pays. L'INPHB s'ouvre de plus en plus vers l'extérieur. Plusieurs partenariats ont été signés avec des écoles françaises et israéliennes. L'école compte en son sein des étudiants nigériens et comoriens. Le centre est désormais un pôle d'excellence pour les étudiants de l'Union du fleuve Mano. L'INPHB a été choisi pour former les techniciens supérieurs, mais également les ingénieurs et pratiquement tous les métiers liés aux travaux publics et à l'énergie pour les quatre pays de la Mano. Nous savons déjà que ce centre est un centre d'excellence ivoirien. Nous voulons qu'il soit un centre d'excellence pour l'ensemble de la sous-région. Quand j'étais au pays, j'entendais parler de l'INP, j'ai fait des recherches sur l'internet et j'ai vu que c'est une grande école. Donc j'ai fait beaucoup d'efforts pour m'inscrire. Quand on était des nouveaux, c'était un peu compliqué pour nous, mais au fur et à mesure, on s'est adapté et tout se passe bien au niveau de la langue. Ce sont les petits qui se plaignent à cause de la langue, mais nous les vieux pères, donc on espère que tout va bien concernant la langue. La direction de l'INPHB veut aller plus loin dans sa quête de l'excellence. Dans les pays où le sport est très performant, comme les États-Unis, le sport est pratiqué par les étudiants des universités les plus performantes. Dans un institut comme l'INP, on a des élèves qui sont extrêmement intelligents. Ils font partie des meilleurs de leur génération. Donc si nous mettons ici en place un institut de sport de haut niveau, on préparera discrètement les futurs champions des Jeux Olympiques qui vont être capable aussi d'affronter les autres. Redonner à l'INPHB son prestige d'antan, la mission est exaltante pour la direction générale de l'Institut. Mais pour y arriver,
une rénovation des bâtiments et un renouvellement des équipements s'impose. Le président de la République Alassane Ouattara a perçu cette nécessité. En décembre 2013, il a annoncé au cours de sa visite d'État dans le district de Yamoussoukro la réhabilitation complète de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny.